patapim patapam. Bonjour à tous. Comme vous le voyez derrière, le soleil est en train de se lever. Alors nous sommes en hauteur, c'est peut-être pour ça qu'il fait si clair ici, alors qu'il est quand même très tôt. Avec Isabelle, nous sommes en train de prendre notre petit déjeuner face à ce lever de soleil. Voilà, les affaires sont pliées, les tentes aussi, il n'y a pas grand-chose à ranger. Le sac d'Isabelle est là-bas. Voilà, je viens rejoindre Isabelle pour notre petit déjeuner, voilà, face au lever de soleil. Je vais vous faire des photos au fur et à mesure que ça monte. Et voilà, on a le café, tout est prêt. On vous souhaite à tous une bonne journée, on vous dit à plus tard. Oui, à plus tard. Bisous, bisous. Non sei d'un insortido, non m'a pas sbrighe spiate, mi pergut su picche la hami e la sete, patapim patapam. Non sei so chi m'arrivo, e c'è snado pietat che m'balu su cammi che cammino tu drete. Non sei pallo sono, ta io che l'incantato, ta la vede passaio che mi chi ha sito mattia l'arguei. Non sei pallo sono, ta io che l'incantato, non hai paschi pensare la noi te lo di e la noi. Io tu stinca vi savi, e dise no e dise addio. Luna était là. Caro che plegallo lui della glaiso cappaccia. Dans la caselle, trop mignon. Et je te vois plus, t'es derrière le poteau là. Je t'ai perdu. Voilà, avance. T'es beau. Ils sont deux. Ah, ils dorment dans la caselle. Une belle demeure pour eux. La 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 nero, la 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 nero, la 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 la. E la terra do seu, tau cum la periclado, e tutta capirata renuncerà me, non gli amei come avans, ni lo re della neu, ni lo verde la prado. Ni lo canto mai nanni la nado sorei chi è corre l'usanz. Non sei pallo sono, ta io che l'ha incantato. E se ne pasta uita domani segui chi la nere parla. Non sei pallo sono, ta io che l'ha incantato. Domani tu diserei d'incassi chi ti scuzzo che t'ha per incontrare. Io tu stinca vi savi. E dice no, e dice addio. Io jamais n'avi voulu, jamais prega o mini Dio. Aro che plega lui, della gleso capaccia. J'espère qu'ils n'auront pas peur du chariot. Le chemin de la montagnette. Une petite montagne, la montagnette.
la dernière. Oui, c'est ce qu'on croit toujours. Bonjour. Bonjour, je peux te toucher? Oui. Oh oui. Là. Ouais. Oh, il y a des mouches, des mouches, des mouches. Attention à toi, mon bébé. Bonjour, toi aussi. Voilà. Hey. Tu vois? Il est gentil. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il a tapé du pied, mais n'aie pas peur. Là, c'est rien. C'est rien. Allez, on y va? Qu'est-ce que tu fais? Il aime bien des... Ah, si un jour il y a quelqu'un qui a un matelas à carder, n'hésitez pas, faites appel à Winsky. Allez, on y va?
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Notre dernière journée est arrivée. Nous avons fini à Figeac, après avoir commencé à Figeac. 20 jours de marche intense, oui. Difficile, avec la canicule. Oui. J'avais mon nouveau parapluie tout neuf, qui n'a pas servi du tout. De toute façon, ça n'aurait pas pu servir tellement c'était accidenté. Oui. Voilà. Vraiment, le terrain est très, très, très difficile. Il faudra que je fasse une vidéo qui vous explique avec le chariot que c'est trop compliqué. Que je vous explique si vous voulez le faire et si vous avez un chariot, ce qu'il faut faire. Si vous y allez avec un chien aussi, c'est pareil, il faut faire très attention. Ça a vraiment été très compliqué. J'aurais été toute seule. Je pense que je n'aurais pas pu faire le chemin tel que je l'ai fait. J'aurais été obligée de reprendre des routes, de passer ailleurs. Elle était là. Du coup, on a passé, on a pleuré en arrivant dans Figeac, tellement on était contente de l'avoir fait. C'était un sacré challenge. Ceux qui connaissent la voie de Rocamadour et de la voie du Célé le savent, nous ont encouragés, on nous a traités de fada, de varior, de guerrière, tout ça. Et c'est vrai qu'on méritait tous ces surnoms. Voilà. Un beau défi qu'on a relevé. Ouais, un sacré défi, ouais. Oui, c'était vraiment dur. Ouais. On a sué. Je peux même dire, puisque elle était là aussi à la fin du Tour de France avec moi, Isabelle, qu'elle aussi, elle disait pareil, c'est que nos journées étaient beaucoup plus difficiles que sur le Tour de France. Ce chemin, ce parcours, cette boucle a été beaucoup plus difficile que ce que j'ai vécu sur le Tour de France. Parce que sur le Tour de France, j'avais des efforts de temps en temps, et puis des jours qui allaient bien. Là, c'était tous les jours, intense, et ça recommençait. Les chemins empirés, des côtes. On avait l'impression. Mais ça a monté. Remets ta main. Voilà. Ça a monté tout le temps. Tout le temps. On a l'impression que ça montait tout le temps. Les descentes, on ne les ressent, on ne les voyait pas. Puis même moi, dans les descentes, il y avait tellement de cailloux, de grosses pierres et tout, que c'était difficile. Le chariot a tenu. J'ai un bâton qui a cassé, mais le chariot a tenu. C'est un chariot très très solide. Mais il ne faut pas le charger comme moi je l'avais chargé. Et surtout, j'avais un sac sur le dos en plus. Mais bon, comme vous le voyez, bivouac oblige, on était en autonomie complète, toutes les deux, avec Windsky. Voilà. Et lui, il fallait le nourrir. Je suis tombée un peu en rade à la fin, car il est venu à notre secours pour les croquettes. L'eau aussi, beaucoup l'eau. Il nous fallait beaucoup d'eau parce qu'il a fait très, très chaud. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi. Alors, je remercie bien sûr tous ceux qui nous ont accompagnés, tous ceux qui nous ont fait des messages, qui nous ont encouragés. Mais vraiment, ce sont des messages qu'on a eus qui nous faisaient droit au cœur. Dès le matin, on regardait ça. Merci beaucoup. Quand on avait du réseau. Le défi était aussi dans les réseaux, dans les batteries, l'électricité qu'on n'avait pas. Ça a été très difficile. À vraiment, tous les points de vue. C'est vrai. Côté météo, côté... tout a été dur. Mais c'était une très belle aventure aussi. Très belle aventure. 20 jours, c'est bien, parce que plus, je ne sais pas si on aurait tenu physiquement. Moralement, oui. Physiquement, c'était vraiment très, très difficile. Alors, je remercie aussi les personnes qui ont fait des dons. Pour cette année, j'ai recueilli 1865 euros. Si je le rajoute à l'année dernière, puisque j'ai gardé la même cagnotte pour espérer atteindre les 20 000 euros, je suis à 12 865 euros pour 263 donateurs, alors que j'ai quand même 2355 abonnés. Voilà, ça fait très peu de donateurs par rapport aux abonnés, d'autant plus que j'ai eu pas mal de donateurs extérieurs aux abonnés, des gens rencontrés sur le chemin. Donc, je remercie ces généreux donateurs parce que c'est quand même une belle somme que j'ai. J'espère, d'ici la fin de l'année, puisqu'il y aura d'autres choses de mise en place, atteindre ces 20 000 euros. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Voilà. Enfants sans cancer, c'est ce que l'on souhaite et que l'on souhaite à tous. On va vous souhaiter une belle soirée, une bonne nuit. On ne vous dit pas demain parce que demain, il n'y aura pas de vidéo. J'ai besoin de me reposer vraiment. Et puis... Moi aussi. Oui, toi aussi. Des nuits sans moustiques. On est mangé de partout. Là, on a juste envie de danser et de se guérir. Oui, pour de se frotter aux arbres. Voilà. Pas de tiques. On n'a pas attrapé de tiques. Windsky non plus. Mais des moustiques, on est là. Et puis là, on se fait vraiment dévorer ce soir.
Voilà, nous sommes donc au stade de, je l'ai dit tout à l'heure, non Bouillac. De Bouillac. Au stade de Bouillac, puisque nous avons quitté Figeac. Oui. Bisous, bisous. Gros bec. Et puis à... Ben oui, à la prochaine. À la prochaine. Oui.